Bonjour, je me présente Violaine, animatrice technicienne, coach sportif. Je vais vous proposer différents gainages. Donc on va, au fur et à mesure, l'objectif ça va être de les tenir minimum 10 secondes, mais je vais proposer différents niveaux. Donc on va tout simplement commencer donc avec un gainage que vous connaissez certainement sur le placement, mais tout ce qu'on va faire, vous allez devoir faire attention à votre centre abdominal. Donc, tout va se gérer par la respiration. Vous expirez tranquillement. On inspire latéral thoracique. On expire au niveau des abdos. En soufflant le plus longtemps possible, tu vas avoir et tu vas permettre en fait à un de tes muscles des abdos, le transverse abdominal, de venir se contracter et de permettre à ton nombril de revenir vers ton intérieur. Donc ça, c'est important de maintenir, de venir contracter pour rester toujours gainé au niveau de la ceinture abdominale. Donc dans tous les exercices de gainage, c'est très important au niveau du placement et de la respiration. Donc le premier niveau, sur les genoux, et vous allez venir vous placer comme ceci. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Hop là, voilà. Ici, sur les coudes et sur les genoux. Donc, on allonge bien la nuque, on éloigne les épaules des oreilles, on se grandit au maximum et on reste, on souffle bien. Attention à une chose, au niveau des lombaires, on maintient avec la ceinture abdominale, on souffle. C'est comme si tu avais l'impression que ton nombril, il était ramené vers ton intérieur en soufflant. Donc on reste. Si tout va bien, tu peux faire le deuxième niveau où là on va tendre, on va pousser les talons, on descend toujours, on éloigne pardon, les épaules des oreilles, on expire et on maintient. On vient poser et on étire. Donc là, si vous avez donc bien saisi, soit vous faites le premier niveau, soit vous faites le deuxième niveau et on va tenir au minimum 10 secondes. Donc on maintient soit premier niveau, soit deuxième niveau et on maintient 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose, on s'appuie toujours un petit peu sur les mains et on vient étirer. On peut placer un deuxième gainage. Même chose. On va se placer au-dessus. Alors, si vous avez des petits soucis de genoux, vous allez venir enrouler comme ceci votre tapis pour le placer. Mais en aucun cas, vous écrasez votre rotule au sol. Donc, vous venez vous placer ici et on va placer jambes croisées, le buste face et on peut rester tout simplement ici. Si tu veux engager un petit peu les triceps, tu peux aussi en pliant puisque la position, elle est un petit peu plus facile. Autrement, tu places bien les mains sous les omoplates et tu viens tendre les jambes, on pousse les talons et on reste. 10, 9, 8. On n'oublie pas qu'on expire pour ramener l'ombril vers l'intérieur. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On pose et on vient étirer, on relâche. Ce sont des gainages qui en fait sont évolutifs. Vous pouvez faire un tour. On a commencé pour le premier, le deuxième, le troisième. On essaye le premier niveau, on essaye le deuxième. On ne peut pas, on revient sur le premier niveau, mais on essaie de ne pas s'arrêter et de faire des tours. Je vous en propose un autre qui peut être différent aussi en fonction des niveaux. Donc on va le faire sur le côté. Vous placez votre coude sous. Alors je me mets un petit peu comme ça pour que vous me voyez. Le coude sous l'épaule, mais attention, on n'écrase pas l'épaule. On se pousse du sol et on se grandit comme si on avait un fil qui passait. On pousse les genoux vers l'arrière,
On maintient les abdos et on soulève le fessier. On vient allonger la jambe et on étire le bras. On peut rester là. Maintenant, pour allonger encore plus, on va tirer la main vers le mur et le pied vers l'autre mur. Et on reste. On peut être sur un gainage statique. Expire. 10, 9, 8. Et on souffle toujours pour que le nombril soit ramené vers son intérieur. 4, 3, 2, 1. Ou alors un gainage dynamique. Genou coude tendu. Genou coude tendu. Genou coude tendu. Genou coude. Allez, encore 4. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et on étire. On revient et on vient s'asseoir tout simplement sur le côté. On relâche ses épaules. On peut revenir sur les genoux ou assis. On tourne un petit peu les poignets parce que souvent, en fait, on a donc les poignets un petit peu fragiles. Hein, donc ça, c'est aussi important. Et on va évidemment placer de l'autre côté. Donc c'est important de faire évidemment les deux côtés. Donc vous placez le coude sous l'épaule, donc on allonge bien, on allonge aussi ici, tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au niveau des genoux, et on vient tendre, voilà, et on étire. Soit tu restes là, tu commences tranquillement à faire un petit peu de gainage, surtout tu ne brûles pas les étapes, et surtout la respiration. Expire, et on étire. Et on vient expirer. Et on reste. Et on étire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en dynamique. 1. Étendu. 2. Étendu. 3. Étendu. 4. Encore. 5. Expire. 6. Allez. 7. Et 8. 9, on souffle en revenant, 10, ok, on relâche, et même chose, on peut venir s'asseoir, on relâche, on souffle tranquillement, bien, on va continuer, cette fois-ci, on va continuer sur des gainages un petit peu, on va dire, plus difficiles, mais que tu peux aussi changer et rester. Sur une première base. La première base, c'est celle-là. On vient expirer. On l'a vu tout à l'heure. Donc là, tu restes. Alors, faites attention à une chose. Là, on ne voit pas mes pieds. Je vais me mettre comme ceci. Voilà. Et vous poussez les talons. Vous ramenez les orteils. Poussez les talons. Vous allez placer une main au centre. Donc, sous votre buste. Vous tournez et vous poussez dans le sol. Étire, 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 étire. Expire, on étire. On tire par le sommet du crâne. Tout le long et on reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient en pli, on pousse dans le sol, on plie et on étire. On revient et on va faire la même chose évidemment de l'autre côté. Donc, vous placez ici, même chose, on allonge, on tend, on place au centre et on revient. Et on reste. Alors, si vous n'avez pas le niveau pour faire ça, donc ceux qui ont le niveau, vous restez comme ceci, comme je viens de vous montrer. Les autres, vous reprenez la posture qu'on a vue tout à l'heure sur le coude et vous restez ici. 10 et vous montez la jambe si possible. 9, 8. 7, pardon, 5, allez, 4, j'ai mangé le 6, 3, 2, 1, et on relâche. Très bien, on relâche. On vient tout simplement relâcher au niveau des épaules. On vient souffler tranquillement. On peut finir par un petit gainage dynamique. Donc, il y en a deux. On vient se placer ici, on reste les mains sous
les épaules et on vient ramener le genou, ramener le genou. Niveau débutant, on vient tranquillement, on en fait, on pose sur les genoux, on s'arrête. Et on reprend. Niveau plus élevé, on va plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et on reste. On plie droite, on plie gauche et on étire. Autre gainage, on va faire la même chose, soit tu le fais sur le haut des genoux et tu vas venir poser coude droit, gauche, repose, pousse, change, droite, gauche, souffle. Et toujours même chose, tu maintiens la ceinture abdominale, tu peux le faire, jambes tendues, plié droite, gauche, gauche, droite, même chose, hop, et souffle. Donc ça, plusieurs fois, on étire, on souffle bien. Et on revient tranquillement. Voilà, ça vous fait un petit tour de gainage. Différents niveaux. Vous pouvez faire 10 à chaque fois. Et vous faites un tour et vous faites deux tours. Je vous souhaite de bons exercices. Surtout, maintenez la respiration. Et je vous souhaite de prendre soin de vous, de rester chez vous et de faire attention aussi peut-être à vos voisins. Peut-être qu'ils sont seuls, prenez soin d'eux, informez-vous. Bon courage, au revoir.